Okay, we are welcome this morning. Welcome. Just connect and share the video live this morning. Bon arrivée à tout le monde. Voilà, nous attendons nos bien-aimés. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît, et partageons la vidéo au maximum. Voilà, connectons-nous massivement, s'il te plaît, partageons la vidéo. Ce matin, nous sommes en fin d'année, tu as besoin d'une orientation prophétique dans ta vie. Prends ce moment d'adoration pour dire au Seigneur, Père, je veux t'écouter, Seigneur, parle-moi, voici 2022, je veux te consulter. Et si vous connaissez la force du roi David, sa force, c'est qu'il consultait la parole de l'Éternel. Shalom à tous ceux qui sont en train de se connecter. Pendant que tu partages cette vidéo, le Seigneur te bénit. Nous sommes dans l'adoration. Prions, Seigneur, nous avons besoin de toi, j'ai soif de ta parole. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? 2022, je dois m'attendre à quoi? Quelles sont les révélations de ma destinée? On va aborder ce sujet tout à l'heure et je vais vous parler individuellement par la grâce de Jésus. Mais nous restons dans l'adoration pour nous connecter au Saint-Esprit, à la source d'inspiration, à la source de révélation. Thank you.
Les apôtres ont dit à Jésus, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Nous le disons aussi comme les apôtres ce matin. Parce que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, voici ma vie, ma pauvre vie, ma vie avec ses limitations, ma vie avec ses défis, ma vie avec ses batailles, ma vie avec ses problèmes, ma vie avec ses maladies, ma vie avec ses confusions, ma vie avec ses limitations, ma vie avec ses batailles, ma vie avec ses guerres. Bien-aimés, nous avons besoin de la parole de l'Éternel ce matin. Voici 2022 qui est en train d'arriver. J'ai l'habitude de dire que la manière dont tu achèves une année définira comment tu vivras dans l'année qui suivra. Laisse Dieu influencer ton année 2022. Peut-être dans les années précédentes, tu as lésiné dans la manière de préparer ton année. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Et nous n'avons chacun qu'une seule vie. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement d'homme. On a une seule vie. Pourquoi ne pas recommander ta vie à Christ? Pourquoi ne pas partager cette vidéo à quelqu'un dont Dieu bénira aussi la vie? Pourquoi ne pas le faire? Comment est-ce que tu as préparé les années passées? Le 31 décembre, nous avons l'Exodus Night à Yaoundé, au Cameroun. Les gens quitteront de partout pour venir. Toi, est-ce que tu le feras? Est-ce que tu te déplaceras? Le lieu où tu passeras la dernière journée de 2021 et le premier jour de 2022, mon ami, même si tu es bête comment, même si tu es zinzin comment, tu n'as pas besoin d'être un prophète ou d'avoir la sagesse des filles d'Issacar pour comprendre que ce hiatus entre deux années, ce carrefour, est très important et influencera ta vie profondément. Le dernier jour de 2021 et le premier jour de 2022, ça arrive une seule fois par an, où ces deux jours chevauchent, ou s'entrechevauchent, ou s'enchevêtrent. Vous comprenez? Donc, la nuit du 31 va influencer ton année 2022. Si tu la passes dans les boîtes de nuit, ou je ne sais pas, dans les bars, ou avec les prostituées, dans les hôtels, dans la belle vie, entre guillemets, parce que ce n'est pas une belle vie, c'est une laide vie en fait. Ouais. C'est un problème. C'est un sérieux problème. Donc, le lieu où tu seras le 31 décembre va influencer ta vie. C'est pour cela que j'ai donné une recommandation ferme à tous nos pasteurs, d'ici et d'ailleurs, à ceux qui sont au Cameroun, à ceux qui sont en Afrique ou bien en Europe, tout le monde, chacune de nos églises doit être représentée à Yaoundé, dans l'église mère, parce que c'est là que la parole de Dieu partira pour tout notre ministère. Donc, il est capitalissime d'être à Yaoundé le 31 décembre, à partir de 21h, à la Bire. Donc, tous nos pasteurs doivent mobiliser nos bien-aimés. Les bus doivent les transporter pour les amener à la Bire. C'est important, bien-aimés. Moi, je pense que ma responsabilité en tant que berger, c'est de t'amener à comprendre la perspicacité et l'importance de préparer une année. Surtout, comment faire pour préparer une année. Si tu as échoué en 2021 ou il y a des choses que tu n'as pas accomplies en cette année, je t'en supplie, ne reste pas dans le même esprit. Si tu traverses 2021 pour 2022 avec le même esprit, la même façon de penser, les mêmes habitudes, les mêmes caractères, le même comportement, le même moral, la même moralité, alors tu seras la même personne en 2022. C'est ça la réalité. Donc il faut prendre conscience que le changement doit s'opérer avant le 31, avant minuit. Dans tous les cas, avant de mettre le premier pas de ta vie dans 2022. Bien-aimé, vraiment,
Vraiment, entre nous, sérieux. Bro, sérieux. Prends conscience, c'est ta vie. Lorsque vous nous voyez, nous nous battons comme ça, on est dans les prières, je mange, je descends. C'est pour préparer les bien-aimés à connaître le bonheur et mener une vie heureuse avec le Seigneur en 2022. Et moi aussi, je prends le temps pour ma propre vie parce que c'est important. En enseignant aux autres, nous nous enseignons nous-mêmes. C'est-à-dire que moi-même, d'abord, je dois faire une prise de conscience par rapport à l'évangile que je prêche pour que ma vie, elle aussi, soit conforme à ce que Dieu dit. C'est parce que Dieu dit de ne pas mentir, c'est à moi d'abord qui le dit. Si Dieu dit de ne pas voler, c'est à moi d'abord qui le dit. Donc, c'est important. Donc, tout le monde se prépare. Et c'est important, bien aimé. Donc, le 31 décembre, ne t'amuse pas. Peut-être qu'il y a une maladie dans ta vie, tu ne veux pas traverser avec. Il y a une situation, tu ne veux pas traverser avec. Dans tous les cas, tu connais les limitations de ta vie. Il est important d'être là. Si tu ne peux pas être là physiquement, sois connecté. Et dimanche le 26, c'est le culte des plaintes, le dernier culte. C'est-à-dire, nous sortons de 2021, c'est le dernier dimanche de 2021. Et là aussi, c'est très important, mes amis. C'est très important. Grandissons en ce qui concerne la sagesse des fils d'Issacar. Grandissons dans ce domaine-là. Donc, c'est très important. Ce dimanche, ne joue pas. Même si tu ne venais pas à l'église tout au long de cette année, ce dimanche, 26, dis-toi, j'irai à la Bible, j'irai à Yaoundé, et je vais adorer le Seigneur. Au moins, je vais me rattraper. Qui sait si le Seigneur ne te visitera pas? Qui sait si c'est pas là que l'Éternel nettoiera tes larmes? Qui sait si c'est pas là que le Seigneur consolera ton cœur? Viens remettre ta vie à Jésus. Bien-aimé, viens remettre ta vie au Seigneur. Dis-lui, je ne suis rien, j'ai essayé par moi, mais je me suis battu par ma sagesse, par mes moyens, mais Seigneur, je me retrouve dépossédé. Et je voudrais, Seigneur, reprendre possession de mes possessions. Donc, tu le fais avec foi. Ce dimanche 21, ce sera le culte des plaintes. Chacun avait une bouteille d'huile de faveur neuve. Quand je donne des injonctions prophétiques, il y a des gens qui s'amusent avec cela. Nous sommes des prophètes. Et Dieu est le Père des esprits de prophètes. Donc, il est capitalissime que tu obéisses. Donc, viens avec une bouteille d'huile de faveur neuve. Ce sera une onction fraîche pour ta vie, pour une année nouvelle. Jésus a dit, on ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres seront prêts. Donc, c'est un peu ça la réalité. Prends ça au sérieux. Donc, si tu t'amuses avec mon ami, ne te fâche pas contre moi. Ne te fâche pas du tout contre ma personne parce que je te donne tout, le secret. Je partage avec toi toute la révélation. Maintenant, c'est ta vie. Moi, je prends ça très au sérieux. Je m'appliquerai à cela. Toi, tu veux, tu joues avec ça, te regarde. Donc, il est important pour nous de prendre conscience. Viens avec toute ta famille. Personne ne doit rester à la maison. Peut-être sauf les animaux. Donc, c'est ça. Donc, il est important de comprendre ces choses-là. Et je suis dans la ville de Douala pour travailler avec vous. L'opération Bye Bye 2021. Si tu ne veux pas dire au revoir cette année, pour récupérer, c'est-à-dire on va cravater 2021. C'est ça que tu comprends? On va cravater 2021. On va menacer 2021 pendant ces 3 jours. Ce soir, c'est les bienfaiteurs et les Joseph d'Arimathée. Tu viens avec ta semence de bienfaiteurs. Il y a quelque chose que je vais te remettre, que tu vas garder jalousement. Et je te dirai ce qu'il faut faire de la chose. Ça sera pour toi un signe de prospérité, de succès dans tes projets pour 2021. Et il faut dire que 2022. Et ce ne sera pas en direct. Non, non, le programme de ce soir ne sera pas en direct. C'est plutôt mercredi et jeudi, opération Bye Bye 2021 qui sera en direct. Que le Seigneur te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus. S'il te plaît, partage cette vidéo. Alors, je vais partager avec vous quelques révélations dans la parole et puis nous allons passer à la consultation prophétique. Tu veux consulter Dieu, vraiment, tu veux la parole de l'Éternel. Le numéro sera là, on va aller rapidement. Hier, on a eu une émission, je pense, c'était vers 19h. Mais le réseau nous a tellement dérangé. Donc, nous allons revenir là, ensemble. On va écouter une portion de la parole de l'Écriture. Et après cela, on va passer à la consultation prophétique. Tu vas simplement écrire dans quel domaine tu veux que la parole éternelle te soit adressée, que le Seigneur te donne une orientation. Et tu as des questions, tu as besoin de réponses. On va communiquer tout à l'heure en direct. Donc, partageons la vidéo, s'il vous plaît, au maximum. Et nous allons encore rester en adoration. Et après cela, nous allons écoutez la parole. Au nom de Jésus Christ, in the name of Jesus Christ, toute semence de Satan dans ma vie, every seed of Satan in my life, pour gaspiller mon temps, to waste my time, pour m'entraîner loin de Jésus, to bring me far from Jesus, pour me faire investir, to make me invest, dans les mauvaises choses, in bad things, toute semence de mauvaise vie, every seed of bad life, de mauvaise compagnie, of bad company, dans ma vie, in my life, semé par Satan, sowed by Satan, qu'elle périsse, let it perish, qu'elle périsse, let it perish, au nom de Jésus, in the name of Jesus, ouvre la bouche contre toute semence de Satan dans ta vie. Comment commence à prier, Dieu mon Père, mon Père.
tous ces mots de Satan qui m'éloignent de toi, qui fait que je puisse gaspiller mon temps dans le péché, dans le mensonge. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Jésus, oh. Jésus, oh. Ô Seigneur, nous prions. Garita wa annas malita filas men adenas la ukum wa ines promidal feras. Rabbana ti fili manna udali zolko. Surumi annau arbanata farus men adresta. Rabbana wa ines palita udali almura. La in kramital feroza wa inos promivilki. Seigneur, mon âme te loue et te bénit. Merci pour la sécurité pendant le voyage, car ma vie est entre tes mains. Seigneur, merci pour mes bien-aimés connectés ce matin. Parce que tu nous amèneras vers les tabernacles éternels. Seigneur, je prie que tu nous donnes une orientation, une parole de révélation, une parole d'exhortation, une parole d'encouragement cette fin d'année, afin que personne d'entre nous ne soit déboussolé au cœur de l'année 2022. Mais que 2022 soit l'année du relèvement, de la consolation, du rétablissement, du rebâtissement. L'année où tu nous élèves, l'année où tu accomplis tes promesses pour nous, l'année où tu te souviens de nous, Seigneur. Père, il est important que tu te souviennes de nous en ces temps compliqués, en ces temps complexes où les païens veulent prendre le monde en le menant vers sa destruction. Seigneur, nous crions à toi car nous sommes liés
La Bible dit, la création tout entière soupire en attendant la révélation des fils de Dieu. Mais cependant, la révélation des fils de Dieu tarde à arriver, Seigneur, parce que nous sommes dans les combats avec l'Antéchrist. Kolasman et Danita wa Anna Elo ki Filiman Sago. Seigneur, que la vie ne devienne pas une prison pour nous ou notre enfer. Je prie, Seigneur, que toute personne sous les chaînes de Satan, sous l'emprise, la domination de l'ennemi, soit délivrée avant la fin de cette émission. Qu'une parole d'encouragement soit donnée à quelqu'un. Et que ta parole nous fortifie, qu'elle nous envigore, qu'elle nous revigore, qu'elle nous ravigote, qu'elle nous ragaillardisse dans tous les diapasons et dans tous les domaines de nos vies. Béni soit ton nom pour l'éternité. Prends contrôle, je me remets à toi, je me recommande à ta grâce. Saint-Esprit, glorifie Christ à travers ma bouche. Glorifie Christ à travers ma personne, à travers mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur, je veux être témoin de la manifestation de ta présence et de ta grâce dans ma vie et dans la vie de mes bien-aimés. Seigneur, que personne ne soit privé de ta grâce ce matin. Que ton nom soit grand au milieu de nous comme un étendard. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que cette prière soit la grâce que Dieu t'apporte aujourd'hui dans son exaucement. Au nom souverain de Jésus-Christ. Donc, je vais partager avec toi rapidement un passage de la Bible. Et après cela, on va ouvrir la page de la consultation prophétique. Et le Seigneur t'aidera. Il m'aidera aussi. Vous voyez. Donc, je parlais des tabernacles éternels. C'est un passage qui m'a poussé à réfléchir. Et je voudrais partager cette réflexion avec toi. Nous allons prendre la Bible dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16 à partir du verset 1. Luc 16 à partir de 1. La Bible dit, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite, et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Une minute. Ok, je vois que les numéros WhatsApp sont en train de passer. Donc, bien aimé, je voudrais que tu me suives très attentivement dans ce passage, parce que c'est un passage un peu complexe d'un point de vue théologique. Mais cependant, ce passage détient une vérité fondamentale dont nous avons besoin, une leçon de vie. Et pendant que j'étais en train de venir dans la voiture, j'étais en train de discuter avec ma petite sœur, nous avons essayé d'évoquer certains points de la vie qui ont peut-être trait à voir, des traits avec cette parole des Saintes Écritures. Donc, le Seigneur Jésus-Christ donne une parabole à ses disciples
Et il parle d'un économe et il parle de son maître. Il dit qu'un maître avait un économe et on est venu rapporter à ce maître-là, à cet homme-là, à ce seigneur, que son économe gaspillait ses biens. Ça, c'est la première chose. L'économe gaspillait ses biens. Il a appelé l'économe et il lui a posé la question, qu'est-ce que j'entends? J'entends dire que tu gaspilles mes biens, est-ce que c'est vrai? Et puis les enquêtes ont prouvé que c'était vrai que l'économe gaspillait les biens de son maître. Alors le maître lui dit, tu seras destitué de ta fonction. Donc, mais va travailler, sache que je vais te rappeler, la prochaine fois que je te rappellerai, ce sera pour te renvoyer. Et l'économe a servi son maître toute sa vie, dans tous les cas. Il est au service de son maître. Et puis il s'est posé la question, ok, voilà, je vais perdre mon travail bientôt. Et bientôt, je ne vais plus, en fait... Quand on parle de perdre, en fait, perdre son travail, il s'agit de la gestion des biens de son maître. Je ne veux plus gérer les biens de mon maître. Parce que toutes les années où cet économe a géré les biens de son maître, il ne manquait de rien. Il avait tout ce dont il avait besoin. Ses enfants étaient bien, sa femme était bien, sa famille prospérait. Lui-même, ses affaires prospéraient parce qu'il tirait son trésor de celui de son maître. Et donc, ce qui va se passer après, c'est que Jésus dit que l'économe, sachant qu'il sera destitué, va donc aller vers les débiteurs, tous ceux qui devaient à son maître. Ceux qui devaient à son maître, oui, bien sûr. De tous ceux qui devaient à son maître, il les appelait. Et il demandait, toi, tu dois combien à mon maître? Et la personne dit, c'est 100 millions. Il dit à la personne, ok, donne 50 millions. Il écrit, il fait de faux papiers. Il enlève, il donne 50 millions au maître. Il dit, garde 50 millions. Voilà. Et puis, il appelle un autre, il dit, toi, tu dois combien à mon maître? Et il dit, ah bon, disons que pour moi, c'était 100 000 francs. Il dit, bon, mets 80 000 francs, etc., etc. Il a réduit les dettes des gens, de ceux qui devaient à son maître. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire quelque chose qui est très frappant. C'est mieux que je lise le verset. Il dit, et faisant venir chacun les débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Verset 8. Jésus-Christ a fait une remarque. Et j'ai fait une remarque par rapport à la remarque de Christ. Et c'est une remarque écœurante. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu ou que le Seigneur Jésus, pendant son ministère, a voulu prendre un bon exemple, ça veut dire qu'un exemple à suivre, un exemple universel, ça a été rare qu'il parle des enfants de Dieu. Non, il a toujours parlé des païens. Par exemple, quand Jésus parle du prophète Élie, il dit qu'Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais ce n'est pas vers l'une d'elles qu'Élie a été envoyé, mais il a été envoyé vers une païenne, vous voyez. Donc c'est un exemple. Et Jésus a donné d'autres exemples comme ça. Et ici, c'est encore un autre bel exemple. Jésus explique que les non-croyants, ceux qui n'appartiennent pas à son royaume, sont plus prudents que nous à l'égard de leurs semblables. Pourquoi à l'égard de leurs semblables? Parce que, premièrement, l'économe fait un investissement avec les biens de son maître. Il pense à demain. Il pense au futur. Mais beaucoup d'enfants de Dieu vivent sans penser à demain. Beaucoup d'enfants de Dieu qui ont les moyens aujourd'hui vivent avec une interprétation fallacieuse de la Bible. Le Seigneur pourvoira. Mais quand Dieu pourvoit, ça ne veut pas dire que tu dois oublier demain. Oh non, Dieu a dit que demain aura soin de lui-même. Mais il faut comprendre une chose. Le fait que demain ait soin de lui-même ne veut pas dire que tu ne dois pas penser à demain. Que tu ne dois pas penser à ton avenir. Ou à l'avenir de tes enfants. Ou à l'avenir de ta femme. Il y a des hommes de Dieu qui font le ministère sans jamais penser à leurs enfants, à l'avenir de leurs enfants ou bien à l'avenir de leurs épouses. Et ça pose un vrai problème. Ça fait que vous verrez, surtout en Afrique et au Cameroun ici, vous allez trouver un homme de Dieu qui a servi Dieu pendant 50 ans. À la fin de sa vie, il n'a même pas l'argent pour payer le loyer. Ça dit qu'il est déjà vieux, le monsieur est déjà âgé, il est déjà vieux, il n'a plus la même capacité qu'il avait. Et comme l'Église est ingrate, les gens vont aller vers les nouvelles tendances. Les gens suivent les jeunes qui viennent avec une onction fraîche, avec une onction puissante et poussée. Et les vieux, le vieillard se retrouve sans maison, sans abri, sans soutien. Voyez. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait des moyens, il n'a pas pensé à demain ni à sa famille. Et on a même dans la jeune génération, dans mon pays, beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont pas conçu de maison. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des moyens.
C'est pour cela que Jésus dit que l'économe infidèle a pensé à demain. Mais il dit que les enfants du royaume ne sont pas autant prévoyants que ceux du monde, mais que ceux du monde sont plus intelligents que nous. Pourquoi? Parce que celui-ci a pensé à demain. Donc tu vas voir un homme de Dieu qui a eu l'argent, qui a touché l'argent, ou bien qui touche l'argent. Mon ami, il n'a pas encore construit d'église. Il n'a pas construit de maison. Il n'a pas encore acheté son terrain. Il n'a pas pensé que je peux construire quand même une petite maison et je la mets en location. Je peux construire un hôtel. Je peux construire une école. Je peux construire un hôpital. C'est dans ce sens que Jésus-Christ nous fait des reproches en disant que les païens sont plus prévoyants que nous. Et avec le faux évangile qu'il y a dans l'église, je ne peux pas prêcher tout le passage aujourd'hui. Et on va travailler sur ça. Laissez-moi parler comme l'esprit me conduit. Donc, et on va vous dire non, vraiment, l'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Montrez-moi un verset biblique qui dit que l'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Et j'ai dit qu'il faut faire attention, faire la différence. Quand vous avez des analphabètes qui tiennent la Bible, ça veut dire des analphabètes en même temps sur le plan séculier, sur le plan scolaire, étudiantin, et des analphabètes bibliques, c'est-à-dire qu'en même temps des analphabètes spirituels qui ne comprennent rien à rien des vérités bibliques, Jésus fait un reproche qui est sérieux. Il dit que cet économe infidèle, le gars réfléchit, dit « Attends, le maître va me chasser. Et comme il est en train de me chasser, je ne peux pas cultiver parce que je n'ai pas grandi dedans. Je ne peux pas aller mendier parce que les gens m'ont connu comme une personne grande. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux investir dans la vie de ceux qui demain vont m'accueillir dans leur maison. Je veux que tu suives bien ça. Je veux investir dans leur vie. Ils pensent à demain. Mes enfants iront à l'école comment? Ma femme fera comment? Demain, si on me chasse, je n'ai plus de travail, je ne serai plus capable de louer la maison comme je loue. Mais si j'investis dans la vie de ces pauvres-ci, ces personnes, parce qu'en fait, tous ces gens qui devaient son maître, ce sont des mendiants, en fait, ce sont des pauvres. Ça, c'est une catégorie de personnes qui ne peuvent rien faire d'elles-mêmes. Donc, finalement, ils étaient obligés d'aller emprunter, vous voyez, de s'endetter auprès du maître de cet homme. Et c'est donc dans la vie de ces personnes que l'économe infidèle va investir sans rien leur demander. Mais il est intelligent. Il sait que quand son maître va le chasser, il ira vers ces personnes et ces personnes vont l'aider. Maintenant, en cela, il y a une grande sagesse que Jésus est en train de dégager et qui m'a marqué, sincèrement. Vous voyez, donner, il n'y a pas de mal à ça. Donner. Donner, c'est bon. Mais ne donnez pas bêtement. Ne donne pas bêtement. Il y a des terres maudites. Si tu donnes à un ingrat, ce con se souviendra de toi la prochaine fois qu'il sera dans le manque. C'est ça le problème. Donc, cet économe infidèle était intelligentissime. Il a su discerner les personnes qui seraient capables de le recevoir demain, lorsque lui sera dans le malheur. Mon ami, si tu passes ta vie, écoute-moi bien, enfant de Dieu, nous sommes bêtes, bêtes, nous sommes bêtes. Si y a un autre mot, vraiment, je vais employer ça. Tu te fasses ton problème, si tu veux, tu zappes. Mais ne zappe pas, reste. Nous sommes bêtes. Écoute-moi bien, on est trop bêtes. Quand vous lisez Ésaïe, chapitre 1, verset 3, la Bible dit, Dieu dit, l'âne connaît son possesseur et le bœuf, la cruche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. C'est-à-dire que c'est une insulte même quelque part. Dieu dit que l'âne et le bœuf sont plus intelligents que nos enfants. C'est-à-dire qu'on est bêtes. Dieu te donne l'argent. Oh, le Seigneur pourvoira. Un faux évangile, mauvaise interprétation de la Bible, mauvaise compréhension de la Bible. Dieu pourvoira demain. Après, tu dis la pile était bien. Demain, ça ne vient pas. Te voilà au quartier. Tu n'as plus de quoi manger. Tu deviens mendiant. Mais cet homme, Jésus loue son intelligence. Pourquoi? Parce qu'il n'investissait pas bêtement. Il n'investissait pas aveuglement. Mon ami, il y a des gens qui sont des terres maudites. Tu lui donnes, tu as perdu, tu n'auras rien. Il y a des gens, c'est-à-dire tu investis aujourd'hui parce que tu as. Demain, quand tu n'auras pas, tu vas dire bonjour à la personne va t'insulter. Ce sont elles-mêmes qui vont se moquer de toi. Ah, tu pensais que, oh, tu avais, non? Tu croyais que ça ne va jamais finir, non? Ces gens-là, mon ami, n'investis pas en eux. C'est pour ça que Jésus loue l'intelligence de l'économe infidèle. Il n'a pas investi dans les terres arides, des terres maudites, des terres stériles. Il y a des gens, mon ami, tu investis dans sa vie, tu es fini. Demain, quand tu seras dans le besoin, le gars ne viendra jamais à ton secours. Mais cet homme a investi dans la vie des personnes qui étaient capables de l'accueillir, de le secourir au jour de son malheur. Imaginez-vous que vous passez votre vie, vous êtes entouré de personnes, vous investissez l'argent de ta maison.
tu investis ça dans leur vie. L'argent du terrain que tu devais acheter, tu investis ça dans leur vie. Si tu calcules l'argent quand tu investis dans les gens, c'est la voiture. Tu marches encore à pied. Cet argent-là, tu aurais acheté la voiture avec. Mais comment tu es bête. Maintenant, toi, tu commences à venir à manquer. Tu vas voir la personne pour lui dire que vraiment mon frère ou ma soeur, c'est mauvais sur moi, le bailleur, et en fait, voilà, mettre dehors. La personne te répond quoi? Je n'ai pas. Mon ami, quand tu investis dans la vie des je n'ai pas, tu es en train d'investir sur un terrain maudit. C'est des gens qui ne méritent pas que tu investis dans leur vie. C'est que je vous dis très sérieux. Jésus dit que les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les filles du royaume. Ça dit quoi? Le gars a regardé. Il n'a pas pris l'argent de son maître pour aller donner ça à des personnes qui ne pouvaient pas l'aider demain. Il a regardé les gens qui pouvaient l'accueillir. Et qu'est-ce que Jésus dit? C'est Jésus qui le loue. Hein? Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Maintenant, Jésus lui-même tire son exemple de cet homme. Laisse-moi ça, c'est une beauté extraordinaire. Le passage est richissime, mon ami. On ne peut pas manger et dévorer tout ce qui est écrit là-bas en un jour. Donc, va aller doucement, doucement. Écoute-moi bien. Jésus loue d'abord l'économe infidèle parce que le gars ne donne pas des ordres. Il connaît vers qui il faut donner, à qui il faut donner. Il sait à qui il faut donner. Vous savez, Seigneur, vraiment, aide-nous. Zalami wa ina, que la sagesse te soit donnée, l'intelligence de Dieu te soit accordée. Un jour, j'étais dans une voiture. À l'époque, mon ami était encore avec nous. Et il y a une dame qui est venue avec l'enfant. Et elle mendiait. Et j'ai baissé la vitre. Et j'ai enlevé l'argent. Je lui ai tendu. L'esprit de Dieu m'a dit, ne lui donne pas de ton argent, car c'est une sorcière, c'est une méchante. Elle prend l'argent des gens et va les envoûter avec. C'est pour cela qu'elle est comme ça. La méchanceté. Et puis je lui ai dit, repentez-vous, madame. Et j'ai remis mon argent. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque tu es entouré des personnes qui ne peuvent pas t'assister demain, qui ne peuvent pas dépenser leur argent pour toi, mon ami, 2022, de telles personnes ne doivent plus exister dans ton univers. Remarque ça, hein. Si tu as, tu donnes à quelqu'un, et le jour où tu n'as pas, tu demandes à la personne, tu vois bien que la personne peut t'aider. Et elle te répond que je n'ai pas. Mon ami, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un de bien pour toi. Une personne qui t'aime, c'est celle qui, demain, dans ton malheur, même si c'est 5 francs, même si c'est symbolique, elle va aussi se sacrifier pour toi en disant, l'homme si s'est sacrifié pour moi, la femme si s'est sacrifié pour moi, ce qu'elle a fait pour moi là, elle mérite que je me sacrifie. Donc, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus était devant le centenier, le païen. Vous vous souvenez, celui qui a bâti la synagogue où Jésus était allé prêcher. Qu'est-ce que Jésus a dit? Moi, je ne peux pas entrer dans sa maison parce que je n'ai pas été envoyé vers les païens, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que les Juifs lui ont dit? Non, cet homme mérite que tu lui donnes ce qu'il t'a demandé. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié pour nous. C'est normal que nous aussi, nous nous sacrifions pour lui. Et quand Jésus a pris cela, donc, il a investi dans mon peuple, celui qui a bâti la maison de mon Dieu. Et Jésus a dit, non, cet homme mérite. Où est sa maison? Et Jésus est parti vers sa maison pour apporter la délivrance et lui accorder ce qu'il voulait. C'est ça une vraie amitié, mon ami. Quelqu'un qui ne peut pas sacrifier son argent pour toi, enlève-le de ta vie, arrache-le. Un jour, mon papa spirituel m'a dit ceci. Je suis allé lui rendre visite. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, mon fils, dans le ministère que tu vois ici, si tu as parmi tes leaders ou parmi tes enfants un problème d'ampoule, par exemple, l'ampoule s'éteint à l'église, l'ampoule se gâte, se grigne, et puis tes leaders te rassemblent, ils te disent que, t'appellent, te convoquent, te disent que papa, l'ampoule, et l'ampoule c'est 500 francs. Ils te disent, papa, l'ampoule est grillée. S'il vous plaît, ordonnez à la direction des finances de nous sortir l'argent pour acheter l'ampoule. Il m'a dit que si quelqu'un ne peut pas sortir 500 pour remplacer une ampoule dans ton église, mon fils, cette personne n'est pas avec toi. Elle ne porte pas le ministère avec toi. Elle ne t'aime pas. Elle n'aime pas ton ministère. Et c'est la vérité. C'est vrai. Lorsque tu peux, c'est-à-dire que tu quittes, tu viens me rendre visite parce que j'ai convoqué une réunion. Tu as 500. Tu peux rentrer chez toi. Quand tu vas dans ton restaurant, tu vas sur mon restaurant. C'est moi qui te paye l'argent pour aller au restaurant. Mais parce que c'est l'église. Comme j'ai convoqué la réunion, je dois aussi vous payer le transport. Vous n'aimez pas le ministère, si. C'est ça la réalité. Celui qui ne peut pas investir son argent pour toi, comme tu as investi pour lui, ce n'est pas question d'investir et attendre un retour. Ce n'est pas ça. Mais il faut être logique dans la vie. Cet homme a su sur qui investir. C'est important. Ça me sert à quoi si demain, je ne peux plus, je n'ai plus, et que toi tu y as, et que je vienne, tu ne me reconnaisses pas. Mon ami, investir dans ta vie, c'est une malédiction même. C'est même une malédiction.
Donc c'est important de tester qui va t'accompagner. Voici 2022 qui arrive. Ne sois pas bête comme tu l'as été dans les années précédentes. Parce qu'il y a des gens, on te prend comme un bête. Donne. Les gens ont, mais donne. C'est ton argent qui est bon, leur argent n'est pas bon. Je me souviens que lorsque j'ai travaillé encore à portes ouvertes dans le domaine de l'islamologie et que nous allions former les églises en ce qui concerne l'évangélisation en milieu musulman, on avait un frère au milieu de nous. On nous donnait la même ration. C'est-à-dire qu'on partait en mission, parfois on donnait 100 000 francs à tout le monde. Mais quand on arrivait, quand on arrive au restaurant, quand nous mangeons, le frère vient, il paye. Tu achètes quelque chose à la boutique, il paye. Tu t'arrêtes, tu prends une brosse à dents et la pâte, il paye. Donc à chaque fois, le gars paye. Et j'ai observé et je me suis rendu compte qu'il était toujours béni. Il y avait toujours une grâce extraordinaire qui l'accompagnait. La main de Dieu était sur lui, la prospérité l'accompagnait dans tout ce qu'il faisait. Et j'ai commencé à me demander, attends, le gars s'il me prend pour un bête, dont lui, il investit comme ça sur nous et Dieu le bénit. Et nous, on est là que pour recevoir. Fais attention à ceux qui sont autour de toi que pour recevoir, qui ne peut pas te donner. Quand tu as un problème, il te dit, je ne peux pas. Méfie-toi d'une personne qui achète quelque chose de 50 pour te donner et te revendique ses 50. Rembourse-moi mes 50. Qui achète quelque chose de 25 qui te donne et te dit, rembourse-moi mes 25. Ça, c'est des gens qui demain ne pourront jamais te secourir au jour de ton malheur. Quand la personne te montre que ces 25 sont utiles, c'est important. Au point, il ne peut pas te donner 25. Mais tu dois donner et il doit recevoir. Et tu donnes, il ne te dit jamais que non, tu m'as trop donné. Tu m'as donné avant, ça va, garde. Mon ami, c'est ça qui nous a tués. Et c'est là que Jésus a dit que nous sommes bêtes. Que les païens sont intelligents. Les gens savent, eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'investissement. Jésus dit qu'eux, ils savent investir, ils pensent à demain. Les hôtels où nous sommes aujourd'hui, c'est les non-croyants la plupart. Les agents de voyage que nous utilisons, la plupart, c'est les non-croyants. Les agences de voyage, les avions que nous avons, ces agences-là, la plupart, c'est les non-croyants. Mes amis, le monde appartient aux non-croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sang d'investir. Les enfants de Dieu disent quoi? Dieu pourvoira demain. On va manger tout aujourd'hui. À l'époque, lorsque c'était un peu compliqué sur nous, je me rappelle qu'un jour, il y a quelqu'un qui a béni ma mère. Je prends ces exemples pour vous fortifier. Hein? Elle est en train de me suivre. Donc, il a béni maman avec une somme d'argent quand même qui faisait que le jeûne s'était arrêté dans la famille. Ça veut dire que ce jour-là, nous pouvions aussi manger les ailes de dinde. Donc, immédiatement, on est allé acheter des ailes de dinde. Les ailes de dinde, c'est énorme dans tous les cas. Donc, on a acheté les ailes de dinde. Et j'observais. Ma mère a mis toutes les ailes de dinde dans la marmite. À l'heure de servir, à midi, elle a fait toute une montagne d'ailes de dinde. J'ai observé la moitié de la marmite. Bon, on va faire comment? On a mangé. Le soir, je vois que ma mère prend la moitié qui restait. Elle met ça là, tout le monde doit manger. Je lui ai dit, maman, attends. C'est tout ce que nous possédons. Les ailes de dinde, si tu pouvais diviser ça, on mange pendant 3 jours. On aurait passé au moins 3 jours dans la famille à manger les ailes de dinde. Mais si nous mangeons tous aujourd'hui, nous mangerons quoi demain? Elle m'a dit, le Seigneur pourvoira mon fils. Dieu qui a pourvu aujourd'hui, c'est le même Dieu qui pourvoira demain. Il a dit, ok, oh, je m'excuse. Elle a servi, on a mangé. Et c'est j'ai le choix. Donc, on a mangé bien. On a mangé jusqu'à sucer les os. Il n'y a pas de problème. Demain est venu. Quand demain est arrivé, j'ai regardé maman m'a regardé, je n'ai rien dit. À midi, il n'y a pas à manger. Même le tapioca, il n'y avait pas. Pourtant, l'argent là pouvait acheter un sac de tapioca avec quelques tomates et faire au moins le tomate avec le sel. La tomate avec le sel et puis faire le couscous de tapioca comme ça gonfle et ça nous ferait manger pendant un mois. Mais l'argent qui pouvait nous aider à manger pendant un mois, maman nous a fait manger ça en un jour. Midi arrivé, je lui ai dit, maman, on va manger quoi aujourd'hui? Elle ne parlait pas. 18h, je lui ai dit que le Seigneur pourvoira, non? Maintenant, où est le Seigneur? Il n'y avait pas à manger. Le lendemain, la famille nous a cogné. Maman était nerveuse. Tout le monde était nerveux à la maison. Et quand je passais, je la voyais nerveuse. Là, j'ai dit seulement, le Seigneur pourvoira, le Seigneur pourvoira. Elle fait souvent, elle tourne la tête. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas prévoyants. Jésus loue l'économe infidèle. Il voit que cet homme pense à son avenir, pense à son demain. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ont l'argent. Demain, tu oublies que l'argent là peut finir. L'argent, c'est comme l'oiseau, mon ami. On touche. C'est là, on parle de toucher l'argent. L'argent ne t'appartient pas. Ça peut s'envoler. Demain, on te dit que tu touchais des millions.
tu ne vas pas croire. C'est ça que vous oubliez souvent. Donc, vous voyez les enfants de Dieu dans des gaspillages inutiles. Tu passes ta vie à donner aux gens, tu donnes aux gens, tu donnes aux gens. Il y a des ingrats. Il faut donner, mais à ceux qui sont dans le besoin. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à son créateur. Donc ça dit, il faut donner à quelqu'un qui est vraiment pauvre. Et c'est ce que l'économe a fait. Cette catégorie de personnes à qui il donnait, c'était des personnes qui étaient vraiment dans le besoin, qui méritaient l'aide. C'est pas tout le monde qui mérite de l'aide. Il faut savoir cela. Tu vas voir que pendant toutes ces années, si tu réfléchis, tu as donné aux gens et aux ingrats l'argent de ton terrain, l'argent de ta maison que Dieu t'avait donné. Tu n'as pas pensé qu'il fallait investir. Mais cet homme a pensé à son demain. Et il a dit quoi? Il a dit, je vais leur donner pour que lorsque mon maître va me chasser, je puisse être reçu dans leur maison. Vous voyez? Donc maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ dira? Le maître loua l'économe fidèle, infidèle, de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Et Jésus va s'inspirer donc de l'exemple de cet économe infidèle pour nous conseiller de nous faire des amis avec des richesses injustes. Bon, maintenant, le mot richesse ici, c'est mammona en grec, qui a donné mammon. Parce qu'à la fin, Jésus dira qu'un homme ne peut pas servir deux maîtres, à la fin, on ne peut pas servir Dieu et mammon. Donc, vous verrez qu'il s'agit dans la parabole de Dieu et de mammon. Mammon, ce n'est pas le diable, en fait. Il faut comprendre cela. Quand Dieu a dit, il y a des chrétiens qui disent que, oh, Dieu a dit qu'on ne peut pas servir Dieu en même temps et mammon. On ne peut pas servir Dieu et le diable. Non, non, non. Mammona, en grec, n'a rien à voir avec le diable. Mammona signifie l'argent et les biens matériels. Donc, c'est les richesses humaines et terrestres. C'est ça que la Bible appelle en grec mammona. Donc, mammona, c'est l'argent et c'est les biens matériels, les finances et le matériel. Donc, Jésus dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Maintenant, il faut comprendre que c'est une parabole. Remettons un peu dans son contexte, on va la contextualiser. Dans son texte et son paratexte. Alors, il parle de mammona, il parle des richesses injustes, il parle de l'économe, il parle du maître. Le maître, c'est Dieu. L'économe, c'est toi et moi. Et les richesses, c'est tout ce que Dieu nous a donné. En fait, cet homme a été condamné parce qu'il gaspillait les biens de son maître. Les biens de son maître, ça veut dire quoi? Tout ce que cet homme avait, il a oublié que ça appartenait à quelqu'un. Que ça ne lui appartenait pas, mais que ça appartenait à son maître. Alors, à partir du moment où il s'est approprié les biens de son maître, c'est devenu des richesses injustes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement expliquer que tout ce que je possède ne m'appartient pas, mais appartient à mon maître, qui est le Seigneur Jésus, qui est Dieu. C'est ça la vérité. Tout ce que nous avons. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont des adorateurs de mammon. Et je vais t'expliquer ça. Tu vas comprendre que tu adores mammon depuis longtemps. Que tu es dans l'idolâtrie. Et mammon, c'est un dieu. C'est-à-dire que les biens de la terre, les richesses et l'argent ne doivent pas devenir ton dieu. Lorsque l'argent et les biens de la terre, lorsque mammon devient ton dieu, en ce moment-là, bien-aimé, tu es séparé de Dieu. Dieu doit être ton mammon, en réalité. Mais lorsque mammon devient ton Dieu, c'est ça que Jésus-Christ est en train de fustiger. Donc, mammona, c'est l'argent, c'est le bien matériel. Et ce que Jésus veut inoculer dans la connaissance du peuple de Dieu, c'est que tout ce que tu as, lorsque tu penses que c'est à toi, tu commets une erreur. Tu deviens un économe infidèle directement. Parce que l'argent que tu as ne t'appartient pas, c'est Dieu qui te l'a donné. La maison que tu as construite, c'est vrai que tu as travaillé, mais tu as travaillé. Laissez-moi vous dire une chose. Une nuit, j'ai fait une vision. Dans cette vision, le Seigneur m'a posé une question. Ferdinand, qu'est-ce que tu me donneras? Qu'est-ce que tu peux me donner? Ah, 10h51. Mais ça, c'est terrible. Ferdinand, qu'est-ce que tu peux me donner? J'ai répondu, je te donne mon argent. Il m'a dit, mais c'est moi qui ai créé l'argent, c'est moi qui ai pourvu pour toi. Donc, c'est mon argent. Le Seigneur, je donnerai ma maison. Et le Seigneur m'a dit, mais ta maison, tu as créé. Le matériau de ta maison, c'est moi qui l'ai créé. Tu me donneras quoi? Il dit, Seigneur, je te donnerai ma voiture. Il m'a dit, ta voiture, le métal et tout ce qui a été fait de cuir et tout ça, c'est moi qui en suis le propriétaire. Ça ne t'appartient pas, ça m'appartient. Tu me donneras quoi? J'ai dit, ma vie. Il m'a dit, je suis ton créateur. Et puis, à la fin, j'ai compris en fait que je ne peux rien donner à Dieu. C'est lui qui m'a tout donné.
Le souffle est celui qui m'a donné. Le corps que j'ai, c'est lui qui me l'a donné. La vie, c'est lui qui me l'a donné. Je suis assis dans cette maison, c'est lui qui m'a donné cette maison parce qu'il en est le propriétaire. Il m'a dit, la terre, c'est ma propriété, c'est moi qui l'ai créée. Tout ce qui est sur la terre, c'est moi qui l'ai créé. L'homme n'a rien apporté. Il n'a rien créé. C'est pour cela que lorsqu'il rentre, il ne va avec rien. Parce que cette terre ne lui appartient pas, mais elle m'appartient. L'homme ne fait que transformer, mais l'homme ne peut pas créer. Voyez. Et j'ai compris une chose, qu'en fait, Dieu m'aidait à comprendre, de faire attention. Sinon, je me retrouverais comme étant un adorateur de maman. Et beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église aujourd'hui n'ont pas encore compris que tout ce qu'ils sont et ce qu'ils ont, ne leur appartient pas, mais appartient à Dieu. Et donc, on a beaucoup d'économes infidèles dans l'église qui ne donnent pas les offrandes, qui ne donnent pas les dîmes. Lorsqu'il faut donner à Dieu, les gens sont incapables de le faire. Mais quand il faut donner à eux-mêmes, quand c'est ce qui va aller dans leur ventre, ils le font sans compter. Quand tu vas aller à l'hôpital, j'ai posé une question aux malades à Berthois dernièrement. J'ai posé une question. Les malades viennent à l'église, vous priez, les gens ne guérissent pas parce que Dieu est fâché. Pourquoi? Parce que c'est des idolâtres. Vous venez, vous trouvez un conglomérat d'adorateurs de maman. Ça veut dire quoi? Le Seigneur m'a dit, réfléchis mon fils. Les gens quittent leur maison quand ils sont malades. Ils vont à l'hôpital. Ils savent qu'à l'hôpital, si tu n'as pas l'argent, on ne prend pas soin de toi. On ne t'admet même pas. Tu vas mourir là-bas. Et on a beaucoup de cas comme ça au Cameroun aujourd'hui. Mais lorsque quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, on lui fait une ordonnance de 100 000, 200 000, 500 000. On lui dit, mon ami, te faut 2 millions pour ton opération. La personne est prête à remuer la terre et le ciel pour trouver cet argent et aller à l'hôpital donner pour être soigné. Qui jamais est allé à l'hôpital dit au docteur que j'aime pas l'argent, le docteur l'a reçu et l'hôpital l'a soigné pour rien. On sait que c'est une loi, il faut l'argent. Mais pourquoi donc les malades venant dans ma maison viennent les mains vides, sans offrande? Mais ils ont... Non, Dieu m'a dit c'est pour cela que beaucoup ne reçoivent pas leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils me méprisent, ils me déshonorent. Et c'est ça la vérité. Quelqu'un aurait dit que, oh vraiment, voilà l'argent, si je serais allé à l'hôpital, on m'aurait demandé telle somme. Je prends la somme là en offrande à l'Éternel qui va me guérir et l'Éternel me sauvera. Voilà comment il faut réfléchir. Mais les gens sont tellement attachés à maman, au bien de la terre, que lorsqu'il s'agit des choses saintes, ils ne peuvent pas. Oh, ils oublient que cet argent appartient à Dieu et que nous allons mourir. La preuve est que ce n'est pas pour toi ni pour moi, c'est qu'on va mourir, on va laisser ça. Ton compte bancaire appartient à Dieu. Ce n'est pas à toi, mon ami. La voiture dans laquelle tu roules appartient à Dieu. La preuve, c'est que tu vas mourir, tu vas laisser ça. Tu ne partiras avec rien. C'est la preuve ultime que nous n'avons rien, que nous possédons rien sur cette terre. Tu as trouvé la terre comme elle est. Tu vas transformer telle ou telle chose, jouir de telle ou telle chose. Tu vas mourir, tu vas partir et laisser ça au vrai propriétaire. C'est lui qui en décidera comme il en voudra. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu sont attachés à maman, au bien matériel, au bien financier. Et lorsque Dieu réclame ses biens pour son œuvre, beaucoup d'enfants de Dieu n'obéissent pas. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne payent pas les dîmes. Ils ne donnent pas les offrandes. Quelqu'un va à l'église, il a des pièces, l'offrande, des pièces. Mais va voir ce qu'il va dépenser le 25 décembre sur sa robe, sur sa chaussure, sur la mèche de sa tête. La brésilienne, la malaisienne. Hein? Bientôt même la turquoise qui est sur sa tête là. Tu vas aller demander le prix, 60 000. Mais quelqu'un est chrétien, ça fait 20 ans. Il n'a jamais donné un billet de 10 000 à l'église. Il n'a jamais donné une offrande de 60 000 à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Ou tu aimeras un et tu vas haïr l'autre. Et réellement, lorsque tu ne peux pas dépenser pour Dieu, mais tu es prêt à dépenser pour toi, ou pour le monde de ta famille, alors ça veut dire que celui que tu aimes et que tu as choisi, c'est maman, c'est pas Dieu. Tu as choisi ta part de maître. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, il y a tellement de choses que j'ai à dire là. Moi, vraiment, le temps, ça me fait quoi comme ça? 10h56, quelqu'un a encore des choses à dire. Le temps vient dire quoi comme ça? Ouais, donc c'est un peu ça le problème, bien-aimé. Écoutez, hein, moi, je l'ai dit, moi, en début de cette année, Momi et moi, nous avons pris un engagement. On a distribué nos voitures en sorte qu'on ait réservé une seule voiture. Je suis le genre de personne que, si Dieu me dit, Ferdinand, mon fils, prends la clé de ta maison, va remettre ça à telle personne. Mon ami, je ne veux pas réfléchir deux fois. Je me rassure seulement que c'est Dieu. Et je veux prendre la clé de ma maison, je vais les donner et j'irai en location. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Je ne parle pas pour parler. Je suis très sérieux. Et il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. Dieu lui dit que prends ta voiture, tu vas donner à quelqu'un. Il va dire que Seigneur, tu es malade ou quoi? Tu as la grippe ou ce corona qui t'a attrapé. Tu demandes ma voiture. J'ai dépensé combien? On a enlevé les voitures, on a offert. Les voitures auxquelles j'étais le plus attaché, je m'en suis détaché. Parce que le Seigneur m'a dit, donne. Mais combien d'enfants de Dieu
sont incapables de donner. Tu vois quelqu'un qui n'a pas les habits. Dieu te dit donne, tu refuses. Tu refuses de donner. Tu es un adorateur de maman. C'est la vérité. C'est ça la réalité. Ton cœur est plus attaché sur le matériel, sur ton argent, que sur Dieu, sur la voix de Dieu. Si Dieu te dit donne, à l'église, on crie, oh, on veut les gens qui ont 100 000. 100 000. Tu as 10 millions dans ton compte bancaire, tu es incapable de donner 100 000. Mon Dieu, aie pitié des adorateurs de maman. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. Tu ne peux pas donner 500 à l'église. 500 francs. Tu bois magnan tous les jours, tu casses les grandes Guinness. Tu casses les Beaufort. 33, tu casses. Quand on voit ta table dans le bar, c'est plein. Et tu veux que mon Dieu te bénisse? Toi-même, tu es malade, mon ami. Tu es malade, ta tête là, quelque chose ne tourne pas rond dedans. Tu veux que mon Dieu, même si Dieu peut te bénir, moi, mais il va arrêter la bain de Dieu, on va bagarrer. Parce que c'est insulter Dieu. C'est insulter Dieu. C'est choisir ton Dieu. Ton Dieu n'est pas le Dieu que nous nous servons. Ton Dieu, c'est l'argent. Ton Dieu, c'est le bien matériel. Si ton Dieu, c'était le seul vrai Dieu, c'était Jésus-Christ, tu n'hésiterais pas un seul moment à te séparer d'un bien matériel pour la gloire de Dieu. À offrir ta maison, à offrir ton terrain. On pleure l'église tous les jours. Oh, vraiment, on manque à adorer Dieu. On manque à adorer Dieu. Tu as des hectares de terrain. Tu es incapable d'enlever 1000 mètres carrés, 5000 mètres carrés, un hectare pour dire je donne à l'église. Tu es incapable de faire ça. Tu vas mourir avec le terrain là. Tu vas partir avec. Et quand tu vas mourir, tu sais qui va prendre le terrain là? Tu sais même à combien on va vilipender ce terrain? Bien aimé, s'il faut servir Dieu et choisir, c'est maintenant. Je n'ai pas fini, je n'en ai pas fini avec toi. Je n'ai même pas encore commencé. Donc ne fuis pas. Manoron, demain 10h, on va continuer. Je n'ai même pas commencé. Le temps, si demain là, je ne sais pas à quelle heure je veux commencer. Mais ce que je vous dis est très très important. Si tu n'as jamais fait un sacrifice important qui t'a coûté quelque chose, depuis que tu es enfant de Dieu, mon ami, tu es un adorateur de maman. Tu vois, tu veux que tu te fâches. Tu es un adorateur de maman. Ça, je te le dis. Donc, que Dieu te bénisse. On va d'abord s'arrêter là. On va ouvrir le standard. Je veux prier même pour 5 personnes rapidement. Et après cela, on va prier. Dieu prie pour toi, pour ton année 2022. Et tout à l'heure, à Douala, à Ndorbon, 17h, tous les bienfaiteurs, si tu n'es pas un adorateur de maman, viens. Si tu es adorateur de maman, ne viens pas. Donne comme. Ne viens pas. Jésus a dit que tu ne peux pas servir les biens matériels. Tu vois quelqu'un qui manque l'église parce qu'il ouvre la boutique, mon ami. Toi, tu as vu ça où? Qui t'a appris cette façon de servir Dieu? Tu ne peux pas fermer ta boutique pour aller à l'église. Non. Dieu est là et l'argent est là. Tu es au marché sous le soleil, sous la pluie te tape, tu supportes. Mais quand le culte, il pleut, tu ne pars pas à l'église parce que tu te dis que non, la pluie va me mouiller, l'eau va me mouiller, tu es un sac de sel. Mais cependant, lorsque tu restes au marché pour vendre, le palu même t'attrape là, même le démon de palu lui m'a étonné que comment tu ne grelottes pas à cause de ton amour pour l'argent. Ça montre que tu aimes l'argent plus que Dieu. C'est ça que Jésus dit que on ne peut pas aimer en même temps l'argent, le matériel, les biens matériels et Dieu. Soit tu vas aimer Dieu et mépriser les biens matériels ou tu méprises les biens matériels et tu aimes Dieu. Tu ne peux pas fermer ta boutique pour venir à l'heure du culte. C'est pour ça que tu suis l'argent et l'argent te fuit. Or, ceux qui cherchent Dieu, l'argent les cherchera. Il y a tellement de choses que j'ai à vous dire là-dessus. Il ne faut pas fâcher quelqu'un là maintenant. Il y a tellement de choses à dire. L'église, les enfants de Dieu, plein d'adorateurs de maman. Donc, on va prendre, Seigneur, merci. Je prie que tu nous sauves de cette idolâtrie, de cet esprit de matérialisme au nom souverain de Jésus. Père, glorifie ton nom, que 2022 soit une année différente au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, le standard, je vais l'ouvrir. Les gens connaissent déjà le standard. Hein? Mais pour ceux qui sont là pour la première fois, s'il vous plaît, j'ai expliqué que les appels WhatsApp, c'est uniquement pour ceux qui sont à l'étranger. Là, je raccroche d'abord les appels parce que je veux voir le numéro. Donc, le numéro, c'est le plus 237 672 13 03 23. Plus 237 672 13 03 23. Donc, ça, c'est le numéro direct ou WhatsApp de MTN. Aussi, par ce numéro, tu peux aussi envoyer ton offrande. Tu veux faire un sacrifice spécial à Dieu, une offrande d'alliance à l'Éternel, tu peux le faire par ce numéro. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus. Vous allez m'excuser, vous allez me pardonner parce que là, je crois que... Pardon, on va déborder un peu, quelques minutes. Et le deuxième numéro, c'est le 600, plus 237, 692,
40 71 86 plus 237 692 40 71 86. Voilà le deuxième numéro par lequel vous pouvez me joindre par WhatsApp ou par appel direct. Et par ce numéro aussi, tu peux envoyer par Orange Money. Tu fais une alliance personnelle. Tu dis, Seigneur, sauve-moi de maman aujourd'hui. Je renonce à maman. Et le Seigneur te bénit. Pendant que tu le fais, je ne te demande rien. C'est toi et ton engagement avec le Seigneur. Donc, depuis l'Espagne, non, le WhatsApp passe, s'il vous plaît. Le WhatsApp passe. Ce matin, ça passe. Attendez, il y a encore quoi là? Le réseau vient de partir. Ça, c'est le réseau. Hein? Vraiment, Orange nous déçoit. Orange nous déçoit tellement. Hier, c'est la même chose. Aujourd'hui encore, la même chose. C'est dommage, vraiment. C'est pas sérieux, ça. Donc, je vais commencer avec des appels simples. OK? Il est déjà 11h. On va aller rapidement. Je vais prendre cet appel. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Ah, bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu, papa. Et vous? Non, ça va. Vous appelez d'où? J'appelle depuis Yaoundé, papa, au niveau des Toudis. D'accord. Nous bénissons tous les habitants de Toudis ce matin, au nom de Jésus. Quelle est votre préoccupation? Papa, j'aimerais que vous priez pour ma famille, papa, parce que nous avons le problème du célibat. Depuis que je suis née, papa, la maman n'a pas connu son papa. Moi également, je n'ai jamais connu mon papa. Je ne sais pas là où il est, ni là où il vit. Mm-hmm. Et nous avons aussi problème de finances, papa. Mm-hmm. On essaie de se battre n'importe comment, mais les portes sont fermées. Papa, je vous en prie, j'aimerais que vous priez. J'ai mon grand frère même, il ne sait pas Dieu. On essaie dans la famille, personne ne veut se tourner vers le Seigneur. Leurs cœurs sont tous détournés vers d'autres dieux. Mm-hmm. Et j'aimerais que papa, une parole du Seigneur nous soit adressée et que toutes ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. D'accord, ne raccrochez pas. Vous êtes d'où? Je suis Bafan, papa. Je suis de l'Ouest. Vous êtes Bafan. Mm-hmm, papa. D'accord, écoutez, je pense que nous allons prier. C'est un hôtel familial. C'est un hôtel familial. Parce que votre mère, vous dites qu'elle n'a pas connu son père et vous aussi n'avez pas connu votre père, c'est ça? Oui, papa. D'accord, cette erreur doit être rectifiée dans votre vie. Amen. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais vous donner une révélation que vous ne connaissez pas parce que c'est des conseils prophétiques que je vous donne. Vous comprenez? Oui, papa. Oui, j'ai vu une fille qu'on appelle Julie. Hein? Julie. Oui, vous connaissez quelqu'un comme ça? Oui, papa. C'est qui? C'était la cousine de ma maman, papa. Elle est où? Elle est en Djombé, papa. Elle est en Djombé. Mm-hmm. D'accord, regardez. C'était aussi ma grand-mère, papa. C'était la maman de ma mère aussi. Regardez, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que il y a une malédiction qui va être brisée dans votre famille. Amen, papa. Et le Seigneur va passer par vous pour vous aider. Vous revenez. Oui, papa. Où Dieu vous aidera. Amen. Vous savez, il y a ce que j'appelle les actes de justice. Oui, papa. Votre vie sentimentale, votre relation avec le Seigneur, vos finances, le Seigneur va vous restaurer dans le nom précieux et souverain de Jésus. Amen. La malédiction de votre grand-mère. Écoutez bien ce que je vous dis. La malédiction de votre grand-mère. Amen. Hein? La malédiction de votre grand-mère. Je veux prier. Oui, papa. Que cette malédiction soit brisée parce que dans la vie de ma Julie, parce que oui, ma Julie, oui papa, c'est son nom. Oui, on l'appelle ma Julie. Oui papa. Dans sa vie, dans sa famille, les femmes, dans sa lignée, les femmes pour se marier, c'est un problème. Vérité papa, vérité, personne, oui. Tout le monde papa. Et donc cette malédiction est en train de serpenter l'arbre généalogique de votre famille comme ça. Et Dieu m'a dit qu'elle va vous bénir. Demandez-moi pourquoi. Amen. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi, papa? Pourquoi? Parce que lorsque vous étiez à l'école, hein, oui, papa. Quand oui, vous fréquentiez encore, oui, papa. Vous aviez une camarade de classe qu'on appelait Claire. Hein? Claire, papa. Oui, papa. On appelait Claire et Edou, Edou Claire. Oui, papa. Vous savez où elle est maintenant? Non, papa, je ne sais pas, aucune idée, papa. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Je ne sais pas, papa, mais ça fait fort longtemps, papa. Ça fait fort longtemps. Oui, papa. Maintenant, écoutez ce que je vous dis. À l'époque oui, où vous étiez avec Claire, hein, oui, papa. Oui, vous papa. Avez posé un acte de justice vis-à-vis de cette femme. Oui,
Oui, papa. Parce qu'elle était en détresse un jour. C'était un acte banal. Je vous ai vu arriver en classe. Elle vous a expliqué qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Et c'était le 3e jour. Okay. Et l'argent de la ration qu'on vous avait donné, 200 francs, oui, vous avez enlevé ça et vous lui avez remis. Oh, Seigneur. En classe. Oui, papa. Oui, papa. Elle a pris les 200 francs et vous êtes sorti avec elle à la cour de l'école. Parce qu'il y avait une maman qui venait souvent vendre le pain avec le haricot, avec le spaghetti à l'école. Vérité, papa. Qu'on appelait maman Jackie. Oui, papa. Toute vérité. Maman grasse comme ça. Oui, papa. Vous vérité. Souvenez? Oui, papa, vérité. Et vous êtes parti avec votre camarade de classe là-bas. Elle a acheté le pain et elle a mangé. Elle vous a dit ceci. Vraiment, c'est toi mon ami dans le lycée-ci. Je suis oui, allé vers Annette. Parce que j'avais une camarade de classe là-bas qu'on appelait Annette. Oui, papa. Oui, Annette Sorel, papa, vérité. Annette Sorel, qui était le chef de classe adjoint. Elle était l'adjointe à votre chef de classe. Oui, papa. Qui était une fille qu'on appelait Marie. Oui, alors, papa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque votre camarade a mangé ce pain, la parole qu'elle vous a dite, c'est toi, mon seul ami, je suis allé vers Annette, elle ne m'a pas aidé. Mais Dieu te rendra cela. Un ange Amen, du Seigneur a recueilli ces paroles. L'ange Amen. Est monté avec vers Dieu. Amen. Et c'est entré dans votre groupe de prière. Et le Seigneur m'a dit, qu'en 2022, Amen. L'ange est monté avec cette prière. Va descendre Amen, avec l'exaucement et vous Amen. Allez vous réjouir sur le plan marital, sur le Amen. Plan professionnel, sur Amen. Le plan de l'avenir, le Seigneur Amen. De bénir. Amen, papa. Et Dieu Amen. Vous donnera 3 enfants. Et Amen. Ces 3 enfants seront des princes et des princesses. Amen. Amen, papa, je reçois au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, dans le papa. Nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Amen. Amen, papa. Amen, papa. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, bien aimé, les actes de justice, je vous dis la vérité. Cette femme, elle a posé un acte, simplement donné 200 francs, quelqu'un s'est le pain avec. Et c'est de ça qu'il est question. Saint-Esprit, je te bénis, parce que tu nous montres la pratique de cette parole. Vous voyez, elle s'est fait des amis avec des richesses injustes. C'est-à-dire, les richesses injustes, c'est quoi? Avec maman. Elle a donné maman. Et à la place de maman, elle est entrée dans les tabernacles éternels. Je vais vous expliquer mieux ça demain. On va prendre un autre appel. On va voir qui nous appelle. Allô, bonjour. Oh là là, la personne est partie. On va encore prendre notre appel. J'ai débordé déjà l'heure, sincèrement. Demain, j'espère que je vais me rattraper. On va prendre une dernière personne, peut-être. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, vous appelez d'où? Depuis Bafoussam. Depuis Bafoussam, d'accord. Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez que le Seigneur fasse pour vous? Votre préoccupation? Oui, j'ai besoin de comprendre pour moi. Oui. Dans quel domaine vous voulez quoi? Parce que il y a des fois que quand je me pète comme ça, le matin, je constate que mon pantalon est mouillé. J'ai éjaculé derrière. Est-ce que dans la nuit, vous voyez des femmes, vous êtes en train de coucher avec une femme, quelque chose comme ça, des rêves bleus? Oui, des fois, c'est même les hommes. Des fois, ce sont les hommes. Oui. D'accord. Est-ce que vous croyez que si je prie avec vous, vous serez sauvé et délivré? Oui, je crois. Vous êtes délivré? Vous êtes de Baham. Oui. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je peux vous dire quelque chose? Oui, monsieur. D'accord. Écoutez, votre problème a une origine lointaine. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que lorsque vous étiez jeune, je vous ai vu, quand vous étiez encore un jeune homme, hein? Oui. Oui. Vous aimiez jouer au football au quartier. Je vous ai vu jouer au football au quartier. Vous allez souvent jouer au football au quartier. Mmh. Et si vous arrivez de jouer au football? Mmh. Hein? Oui. D'accord, écoutez-moi. À cette époque, ce que je vous rappelais là, c'est dans votre passé lointain. L'Esprit de Dieu me ramène dans votre passé. À cette époque, vous jouez au ballon et vous aviez un ami qu'on appelait Dieudonné. Hein? Mmh. Vous avez un ami à vous de jeunesse. Alors, je ne sais pas, vous avez perdu de vue, ça fait longtemps. Vous avez un ami qu'on appelait Dieudonné avec qui vous jouez au ballon. Et un jour, pendant que vous étiez en train de jouer au ballon, vous étiez en train de jouer contre une équipe opposée. Il y a un jeune homme aussi que vous connaissiez et qui était dans l'autre équipe avec qui vous jouiez, qu'on appelait Magellan. Est-ce que vous me suivez? Allô? Allô? Monsieur, est-ce que vous me suivez? Je vous suis. À cette époque,
où vous jouez au ballon avec Magellan, vous avez joué à un match de football avec Magellan, c'est là que vos problèmes ont commencé. Parce que ce jeune homme qu'on appelait Magellan, et que vous avez aussi perdu de vue, ça fait très longtemps, était un garçon qui pratiquait la sorcellerie. Et qui... Vraiment, Seigneur, merci, parce que tu es vivant. Et si vous avez eu un problème avec un de vos pieds? Oui, j'ai mal au pied. Hein? Oui. Vous avez mal au pied, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ou 4 ans. Est-ce que vous savez donc qu'il y a un maléfisme qui a été fait contre vous, à l'époque, sur votre chaussure, sur votre tennis? Et c'est à cause de ce qui a été fait par Magellan, les pratiques qu'il a eu à faire contre vous, que votre vie s'est retrouvée bloquée aujourd'hui comme ça. Donc, monsieur, votre nom est allé loin. Et j'ai dit qu'en cette fin d'année, je voudrais me concentrer sur tout ce dont les noms ont été amenés. On a fait des pratiques contre eux. On a pris quelque chose qui leur appartient pour faire des pratiques. Je veux prier que le Seigneur intervienne. Amen. Que Dieu vous délivre. Amen. Qu'il vous restaure. Et Amen. Que le Seigneur... Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Vous connaissez où Dieu donné maintenant? Oui. Il est où? Il est dans le quartier. Il est toujours dans votre quartier? Oui. Vous savez où Magellan est? Non. D'accord. Maintenant, écoutez, je veux prier pour vous que le Seigneur vous délivre. Oui, papa. Vous êtes marié? Non, papa. Vous n'êtes pas marié? Oui, papa. D'accord. Est-ce que vous avez connu une femme qu'on appelait Merveille? Allô? Oui, papa. Elle est où? Allô? Elle est à Yaoundé. Elle est à Yaoundé? Oui, papa. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Alors, je parle Merveille avec un jeune homme qu'on appelle Pierre. Elle avec ce Pierre par désespoir. Parce que la manière dont vous l'avez traité était injuste. Et ça aussi, arrangez ça avant 2022. Non, ne jouez pas avec. Ce que je vous dis est très sérieux. Je prie, qu'est-ce que Magellan fait contre vous soit anathème. Mais vous-même, appelez Merveille. Appelez-la avec son numéro orange. Elle a un numéro orange qui est 1-699-96-66 et 0 quelque chose. Je peux donner tout son numéro en public. Il y a son numéro, c'est 1-699-96-66 et 0 quelque chose à la fin. Donc faites tout pour rencontrer Merveille avant le 1er janvier. Ne jouez pas avec. Si vous voulez que 2022 soit une année de bénédiction pour vous, s'il vous plaît. Mais s'il faut bouger, voyager, faites-le. Demandez pardon à la femme-ci. Et Dieu vous bénira. Ok, bon, amen. Père, je prie au nom souverain de Jésus-Christ que ta grâce... Attendez. Vous êtes là, hein? Oui, papa. Dieu va vous restaurer financièrement, vous comprenez? Amen. J'ai vu votre ami Serge qui est en train de venir avec l'argent en main. Amen. Hein? Oui, papa. Oui. Il est en train de venir avec l'argent en main pour vous remettre. Amen. Vous me suivez? Vous savez où il est maintenant? Pardon? Vous savez où il est maintenant? Qui? Serge. Ah oui, papa, il est là, il vous voit. On l'appelle comment? Squamo Serge. Il est en train de venir avec l'argent pour vous. Et cet argent est une sémence de Dieu pour votre finance, vos finances. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui, papa. Amen. Père, merci au nom souverain de Jésus de Nazareth. Je brise ce que Magellan a fait contre cet homme. Seigneur, que ce canari soit brisé au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Galias men enat wa inesparos en craves inamoras in tras gros men avo. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous donne un dernier conseil. Il y a une jeune fille qu'on appelle Aïcha. Et j'ai vu votre cœur attaché à cette femme. Et c'est un projet comme un projet de mariage. Ne vous engagez pas dedans. C'est une erreur. Ok, papa. Hein? Papa. J'ai dit quoi? J'ai compris. J'ai dit que c'est une erreur. Ok, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Donc voilà, bien-aimé. Vraiment, demain, je pense qu'on aura assez de temps pour les consultations prophétiques. Et Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Je prie. Seigneur, toute personne malade, au nom de Jésus, qu'elle soit guérie, qu'elle soit libérée de sa maladie. Père, que ta main forte et puissante parle. Toute malédiction est changée en bénédiction. Toute prophétie contre ta vie retourne à celui qui l'a déclaré. Aucun malheur ne t'atteindra. Leurs paroles n'auront plus d'autorité sur ta vie. Le Seigneur te donne la prééminence sur tes adversaires dans le nom redoutable de Jésus de Nazareth. Toute langue qui s'est élevée en jugement contre toi, qu'elle soit condamnée au nom précieux de Jésus. Les portes fermées devant toi, je déclare qu'elles sont ouvertes. Je déclare qu'elles sont ouvertes. Je prophétise des opportunités impensables dans ta vie tout au long de l'année 2022. Dieu te bénira en 2022. Dieu te consolera. Dieu brise les chaînes de la servitude à Satan, au célibat, à la mendicité, au blocage. L'Éternel te lève et il te met au large. Quelqu'un dit « Amen, cette prophétie s'accomplit dans sa vie ». Tu ne souffriras pas en 2022 et tu ne mentiras pas ton pain. Telles sont les paroles de l'Éternel dans ma bouche ce matin pour ta vie au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Demain, 10h, consultation prophétique en live, en direct, individuel, one by one. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Les habitants de Douala, rendez-vous tout à l'heure. 17h pour les partenaires bienfaiteurs de la maison de notre Dieu. Viens avec ta semence de bienfaiteurs. Viens recevoir ce que Dieu m'a dit de te remettre. Tu vas prendre ça, tu vas faire une action prophétique et ta finance, tes finances seront scellées pour 2022. Mon ami, si tu rates ça, c'est fini. On va plus se voir dans ce cadre-là, rien qu'après un an, l'année prochaine. Donc que Dieu te bénisse et opération bye bye 2021. Viens récupérer tout ce que cette année t'a volé. Viens récupérer mon ami et recevoir une prophétie pour ta vie pour 2022. Je suis venu présenter ma bonne année à la ville de Douala. Donc ce sera ce mercredi et ce jeudi en Dogbon derrière l'immeuble Kamler à partir de 16h. Comme tu viens à ce programme, Dieu te bénisse. Dimanche, culte des plaines à l'Éternel. Toutes nos églises doivent être représentées. L'église de Ntui doit se préparer. Tous ceux de Ntui au bas là partout doivent être à Yaoundé. Comme nous le faisons, que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.